Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons procéder aux nouvelles. Nous allons demander la nouvelle. Nous allons demander la nouvelle à la chefferie. Pourquoi ils ont fait appel aux serviteurs de Dieu? Nous allons demander la nouvelle à la chefferie. Quel est le souci? Pourquoi ils ont appelé le serviteur? Quel est le problème qui mine le village? Quel est le souci que rencontre le village? Voilà, donc je vais m'adresser à la chefferie pour donner des nouvelles au prophète Joël Krasou. Bon, je commence. Il commence. Oui. Je dois parler au nom du village de Kassigué en tant que chef du village. La famille est Kassigué. Non, mais la Kassigué au Chine. Le village, le chef du village a fait appel au prophète. Oh, s'il est là, au fait, bah, non, non. Parce que. Le village que je dirige a un souci. Oh non, mais quel nom? Donne-moi. Il va apporter. Et tu ne dois pas un nom. Quel est le souci? En tant que chef de village, je veux que mon village aussi soit un village de renommée. Je veux que mon village soit dans le train de développement. Voilà que nous sommes en marge du développement. Alors, je ne peux pas comprendre, en tant qu'individu, mais comme il y a des religieux, des gens que Dieu a mis à notre service pour lire les problèmes, alors j'ai fait appel au prophète pour qu'il puisse venir à Kassigué et dire quel est le mot, le mal, les mots que Kassigué souffre. Non, mon ami qui vient. Mamoun, oh la ouna, malade, au fond, on va, non, t'es là, au fond, t'es là, aïe, moi, je allez, vous avez un bon sahel. Pour qu'il puisse nous délivrer de ces mots et nous propulser au développement. Allez, ben, salam, allez, ben, là, là, et bon, ça, il bénit. Donc, voilà, en résumé, le souci qui a fait, qui nous a amené à faire appel au prophète. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Voilà, pour résumer un peu ce que le chef vient de dire. Il dit que le village vit et rencontre des soucis. Il a constaté un peu le retard qu'accusait le village. Le village pouvait être un village de renommée. Mais il constate qu'il y a un retard. Le village est plongé dans un retard. Et il y a des difficultés que rencontre le village. Et c'est pourquoi ils ont fait recours au prophète pour apporter la solution au problème que rencontre ce village. Voici un peu en résumé les soucis ou bien l'invitation, le but de l'invitation.
Amen. 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 Voilà, donc on va se tenir debout. On va tous se tenir debout. Merci. Merci pour l'accueil très chaleureux. J'ai eu les informations de l'accueil. C'est pour ça que Dieu bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Au fond, on ici. Nous allons les transmettre au Seigneur. Et le Seigneur, au fond. Dieu va me voir. Non, mais ce n'est pas. Ben, nous allons lui transmettre ce que nous ressentons. Ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu. Quand on reçoit un étranger. Et qu'il est content. C'est l'étranger qui envoie un nom. Et je pense qu'on amènera vos bons noms devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Je nomme du village Cassifié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le village de Cassifié. Cassifié, oh non. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis une chose. Dans la vie, vous devez retenir quelque chose. Vous allez voir toujours les gens qui sont pour. Et les gens qui sont contre. C'est ça la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le royaume de Satan. Et puis il y a le royaume de Dieu. En temps normal, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne les critique pas. Selon la Bible, il ne faut pas juger un homme. Amen. Amen. Voilà, parce que tu ne connais pas. Même si tu le connaissais, il ne faut pas le juger. Je suis dans ce village en qualité de serviteur de l'Éternel. C'est en qualité de serviteur de l'Éternel que je suis dans ce village. Amen. Un serviteur, ce n'est pas qu'il veut être serviteur. Il est serviteur parce qu'il a été appelé de Dieu. Je suis né musulman dans une religion musulmane. Ma maman est pelmalienne. Mon père est bété de Gaïwa. Je n'ai jamais aimé Jésus. Je l'ai aimé tout récemment. Je l'ai accepté tout récemment. Je ne le connaissais pas. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître.
Donc je ne connaissais pas Jésus pour l'aimer. Moi je croyais déjà au ciel. Je croyais au paradis, je croyais à l'enfer. Ce sont mes difficultés qui m'ont fait rencontrer Jésus. Sinon j'ai entendu parler de lui. Mais je ne le connaissais pas. Pour moi, Jésus, c'est une histoire. Il a existé, il s'est passé, c'est fini. On ne devient pas serviteur qui veut. On devient serviteur de Dieu parce qu'on a été appelé par Dieu. Mon appel a commencé en France. J'ai vécu un problème de sorcellerie. Et c'est ce qui m'a envoyé dans Jésus. J'étais d'abord religieux, c'est-à-dire je priais. Mais halakba. J'étais dans l'islam. Voilà, donc je croyais en Dieu. J'avais une croyance. Je n'étais pas un athée. J'avais une croyance. Vous savez une chose. Votre vie dépend de l'accueil que vous allez apporter un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Et l'amour. Dieu, on ne le voit pas. On ne peut même pas voir Dieu. Mais Dieu travaille avec les gens. Et c'est à partir des gens que Dieu travaille. On n'a jamais vu Dieu. Mais il a ses messagers. C'est cela qu'on ne sait jamais quand Dieu peut nous visiter. Non, Dieu ne peut pas donner un rendez-vous. Si Dieu descend, on va tous fuir. Mais comme Dieu, il s'adapte au système humain. Alors il va utiliser les humains pour parler aux humains. Sinon, si un arbre vous parle, vous allez fuir. Si Dieu parle depuis le ciel, on va fuir. Donc Dieu, il parle au travers des hommes. Qu'on appelle serviteur de Dieu. Donc ça ne dépend pas de toi. C'est pas à toi de dire qui est serviteur ou pas. C'est une erreur grave de dire lui n'est pas serviteur. On juge au travers des fruits. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui parle de Dieu. Un serviteur du diable, c'est celui qui parle du diable. C'est au travers du message qu'on essaie d'identifier qui est de Dieu ou pas. Mais on ne prend pas une position. Parce qu'on ne sait jamais qui est de Dieu et qui n'est pas. Donc on écoute. Amen. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes venus vous aider. Mais justement pour prier pour vous, vous avez quelle solution? Vous pouvez quoi faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Un être humain ne peut rien faire. Il n'a besoin que d'un secours de Dieu. Dieu, il ne viendra pas, comme je dis, vous regarder. Mais il passera à travers ses serviteurs. C'est cela qu'il faut avoir le discernement. Le discernement qu'a eu Abraham. Vous savez, les gens, ils perdent la bénédiction parce qu'ils n'ont pas le discernement. Abraham, Dieu l'avait promis un enfant. Il savait qu'il devait avoir un enfant, mais il ne connaissait pas la date. Mais Abraham, c'est quelqu'un qui avait le discernement et qui savait prendre des gens. Un matin, il voit trois personnes. Il a reconnu en ces personnes des messagers. C'était des anges. Amen. Moi, je m'en fous. S'il y a un micro ou pas, moi, je prêche l'évangile. Je ne suis pas le genre compressé. Moi, il y a un micro, je prêche. Il n'y a pas de micro, je prêche. C'est pas que le micro, je suis là. Je suis venu vous aider. Voilà, je suis venu prier pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit, il y a plein de courants. Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui seul sait pourquoi il y a eu la pluie. Lui seul sait pourquoi il n'y a pas eu le courant.
Mais ça ne peut pas nous empêcher de parler de lui. Amen. Ça ne peut pas nous empêcher de parler de lui. Alléluia. Amen. Devant deux ou trois personnes, l'évangile peut être prêché. On n'a pas besoin d'une multitude de personnes. Je m'en vais à New York, je prêche devant des milliers de personnes. Je m'en vais à Paris, c'est 4000 personnes. Mais je ne suis pas complexé de prêcher devant 200 ou bien 100 personnes. Prouvez que l'évangile de Jésus soit prêché. Prouvez que le village soit béni. La bénédiction vient toujours par une personne. Ça ne vient pas par beaucoup de personnes. Non, non, ce n'est pas une personne. Et les gens vont vouloir se poser. Donc, comprenez toujours que dans un royaume, dans quelque part, il y a les enfants du diable, il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont vouloir s'asseoir pour écouter. Au travers de mes savoirs. Parce qu'un enfant de Dieu, il est sage. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a un bon comportement. La sagesse, c'est le comportement. Donc, dans un premier temps, il prend le temps. Quand on dit quelqu'un vient au nom de Dieu, respectez-le. Pas à cause de ce qu'il est, mais à cause du fait qu'il vient au nom de Dieu. Comme si quelqu'un dit, je viens au nom du préfet. Et que vous ne le respectez pas, mais vous avez le problème du préfet. Amen. Amen. Votre bénédiction dépend de l'accueil que vous allez recevoir un homme de Dieu. Si vous le recevez mal, mais Dieu fermera le ciel sur vous. Sans le savoir, Dieu fermera le ciel. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui pour savoir qui vient au nom de Dieu? Est-ce que vous savez quand Dieu peut vous visiter? Est-ce que Dieu te donnera la date auquel il visitera ton village? Mais non, toi tu n'as pas le monopole des choses de Dieu. C'est pas à toi de le gérer, c'est Dieu qui nous gère. C'est pas à nous de gérer Dieu. Ce serait qu'on parle des choses de Dieu, ça doit nous intéresser. Pourquoi? Parce que nous dormons et que nous nous réveillons, c'est une grâce. Et pour ça, nous devons beaucoup de choses à Dieu. Elle est comme là, elle est couleur. Tu vas dormir. Pas comme là. Tu te réveilles. Mais qu'est-ce que pour qui tu vas te réveiller? C'est simplement la grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Pas parce que tu perds une facture. Pas parce que tu perds la facture. Mais c'est parce que c'est une grâce de Dieu. Alors il faut respecter la grâce. Tu sais que tout ce qui vient au nom de Dieu, ça doit respecter. Moi, quand quelqu'un vient au nom de Dieu, je le respecte, quel que soit ce qu'il est. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Quelqu'un peut être mal habillé. Ça peut être un messager de Dieu. Ce serait qu'Abraham, il a vu les trois personnes, il les a accueillis chez lui. Il a tellement bien reçu. Il n'était pas venu pour Abraham. Ils allaient dans deux villes, Sodome et Gomorrhe, pour détruire la ville. Mais comme Abraham, il les a bien reçus, ils étaient obligés de donner l'information à Abraham. Amen. Quand vous recevez un homme de Dieu, bien, vous avez toutes les informations de Dieu. Amen. Ça veut dire que vous avez toute la bénédiction de Dieu. Comme ils étaient tellement bien reçus, ils donnent maintenant une autre information capitale sur lui. La date auquel devait naître Isaac. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas forcément le nombre, mais c'est la qualité. Dis à quelqu'un la qualité. Dis à quelqu'un. Amen. Retenez ça très bien. La qualité. Avec de Dieu, c'est la qualité. C'est pas la quantité. C'est pas qu'on est nombreux. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui seront élus. Dis amen. Amen. Et toi, tu fais partie des peu. C'est ça que ne vous découragez pas. Si dans l'enfer de Dieu, vous voyez pas beaucoup de monde. C'est pas tout le monde qui est enfer de Dieu. Alors, amen. Ah non, c'est pas tout le monde. Mais les enfants de Dieu vont venir. Et les enfants de Dieu vont se retirer. C'est comme ça. Dieu même dit, il y a beaucoup d'appelés.
Mais il y a peu de... Ils vont venir. Mais j'ai fait des tris. Parmi eux, il y aura des vrais. Donc dans un programme, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de venir. Une convocation solennelle devant à Dieu, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est une obligation. Mais les gens ne sont pas dans l'obligation. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un clan. Ils ont déjà leur royaume. Les choses de Dieu n'intéressent que les enfants de Dieu. Et les enfants du diable vont vouloir forcément saboter les choses de Dieu. Et ils jouent pleinement leur rôle. Mais malheureusement, quand on sabote les choses de Dieu, on est maudit. Amen. Comme je disais, on ne sait jamais. Abraham a reçu les anges, il a été béni. C'est ça que Jésus dit. Celui qui que vous reçoit m'a reçu. Vous n'avez pas vu Jésus? Vous n'avez pas vu Dieu? Mais Dieu, c'est au travers des hommes. Il va venir descendre du ciel pour dire, mais voici, je suis l'éternel des années. Tu n'as pas fui? Tu vas fuir. Tu allais te cacher en brousse. Amen. Mais Dieu, on dit celui qui pense aimer Dieu qui ne voit pas. Qui est son frère qui voit est un menteur. Si tu penses que tu aimes Dieu, parce que le fait de rejeter un être humain, ça veut dire que c'est de la sorcellerie. Tu dis tu aimes Dieu. Mais pourquoi tu n'aimes pas l'homme que tu vois? Amen. Tu aimes Dieu. Ok, il faut aimer l'être humain que tu vois. Parce que l'homme est la représentation de Dieu. L'homme, il est la représentation de Dieu. Donc si tu penses que tu aimes Dieu et que tu es un être humain, tu es un satanique. Tu pratiques la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. Tu ne vois même pas Dieu. Et tu dis que tu l'aimes. Celui que tu vois là, tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas sorcier. Amen. 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 Veut dire qu'il faut accepter. Il faut aider. C'est parce que nous vous aimons que nous sommes là. C'est l'amour de vous voir grandir. Frère, Dieu ne peut pas décanter une situation sans la prière. Je suis désolé. Ce n'est pas les larmes qui font descendre Dieu. Non. La seule chose qui fait descendre Dieu, c'est la prière. Si vous voulez voir un développement dans le village, il faut que vous priez. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes venus prier pour que le grand Dieu, le Dieu de développement, bénisse ce village. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un sorcier. Il a quel moyen? Si d'autres personnes disent qu'ils ont d'autres moyens, qui nous les propose? Mais nous savons une seule chose. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Il faut l'invoquer. Un moment donné de notre vie, qu'on en ait marre des morts bizarres qui nous arrivent, qu'on en ait marre des choses qui devaient... des choses bizarres qui arrivent à nos enfants, qui arrivent à la jeunesse. On n'a plus d'avenir. La solution, c'est la prière. Ce soir qu'on a décrété un moment de prière pour bénir chacun d'entre nous, pour que demain le village ait un avenir. Il faut commencer par quelque chose. Amen. Mais effectivement, ce n'est pas avec Dieu, tout le monde que Dieu travaille. Dieu n'utilise pas tout le monde. Donc il y a ses serviteurs. Et c'est eux. Par eux, Dieu peut parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est par eux, Dieu peut parler. Je voyais le frère avec la mégaphone. On utilise ça pour parler. La mégaphone de Dieu, là. Ce sont des serviteurs. Il va venir étudier quel mégaphone. Toi, tu bois Koudoukou, il va venir te prendre pour quel mégaphone il va faire de toi quel mégaphone. Toi, tu adores petit, il va te prendre quel mégaphone. Mais il prend les gens, il les appelle, il les façonne et puis il fait de ses serviteurs. Donc, quel serviteur est dans une ville
Quand vous l'accueillez bien, vous êtes béni. Quand vous le recevez mal, bien sûr, pour ceux qui le reçoivent mal, ils ne sont pas bénis. Parce que Dieu regarde les cœurs. C'est comme ça. Ne vous étonnez pas. Souvent dans des endroits, il y a des gens qui ne vont jamais s'approcher des trucs de Dieu. Parce qu'ils ont déjà leur camp. Notre camp, c'est le royaume de Dieu. Dis amen. Nous avons choisi un camp, c'est pour Dieu. Les choses de Dieu nous intéressent. Amen. Les choses de Dieu nous intéressent. J'ai une histoire, moi. C'est pour ça que j'aime Jésus. J'ai une histoire. Amen. Comment j'ai aimé Jésus? Je n'aimais pas Jésus. Je fuyais tous les pasteurs. Je les fuyais. Il ne m'intéressait pas la Bible. On ne m'a pas appris la Bible. Je suis né dans une religion, donc pour moi c'est la meilleure. Je m'en fous des Bibles. Tu as appris Bible. Tu as venu me dire quoi? Le ciel, je crois au ciel. Tu vas me dire l'enfer existe, je crois à l'enfer. Ton problème, c'est où? Tu vas me dire Jésus, il dit non, mais j'ai déjà une solution. J'ai vu l'importance de Jésus-Christ quand j'étais dans les difficultés. Amen. Je suis quelqu'un, je crois difficilement. Je suis quelqu'un, entendez, c'est pas sûr. Vous comprenez? C'est pour dire, un jour, tu mourras. Ton jour viendra un jour. Quand vous traversez un cimetière, regardez, c'est pour dire un jour tu seras là-bas. Faut pas être dans les illusions, faut pas rester dans les rêves. Un jour tu seras là-bas. Mais tu dois te poser la question après la mort, c'est quoi? J'ai une autre vie. Si tu veux, ne crois pas ça. Mais tu seras un jour face à cette bague que tu mets dans ton doigt, tu viens anti-accident. Bague. Mais c'est que tu recherches là. C'est dans le Seigneur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Protection d'accident. Contre la mort mystique. Toute arme. Qui vont t'envoyer toute arme. Ésaïe 54, verset 17. Vous cherchez quoi? Je vais me laver. Tu es sale ou bien? Mais le sang de Jésus qui nous purifie. Dis amen. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. De tout péché. Pourquoi nous pensons que la solution se trouve chez le diable? C'est toi qui as créé le diable. Lui-même qui l'a créé, il l'a chassé. Dieu qui a créé le diable. Et m'a dit, quitte mon ciel. Mais toi, tu vois chez lui. Dis à quelqu'un, tu fous chez le diable. Tu vois chez le diable. Les gens, tu les regardes, mais ils sont camarades. Et Satan. Pourquoi tu es camarade, le monsieur? Dis à quelqu'un, pourquoi tu es camarade, lui? Il y a des gens qui ont leur visage, tu sais qu'ils sont camarades de Satan. Qui est camarade de Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Pour amis Jésus. Quand tu as mis pour Satan, il va te tromper. C'est un menteur. On appelle le père du mensonge. Il ne ferait que te trahir. Les médicaments qu'il te donne, c'est mensonge. Il ne fait comme Dieu, il n'est pas Dieu. Il arrête sa comédie, le diable. Tu ne le connais pas, il va te lâcher un moment. Le jour où tu as compté sur lui dans la voiture, tu vas mourir. Amen. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Le jour où il y a un accident, tu seras le seul qui va faire sortir. Puisque si tu crois en lui, tu seras le rescapé. Parce qu'on dit l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Satan, c'est un menteur. C'est ça qu'il ne faut pas l'aimer. Le fétichisme, c'est satanique. Le maraboutage, c'est satanique. Dieu se trouve dans sa parole. On n'a plus besoin d'aller s'incliner devant les fétiches, devant les idoles. Dieu est dans sa parole, c'est le vrai Dieu. Il s'adore en esprit et en vérité. Nos parents ont fait ça, ça porte quoi l'Afrique? Les blancs nous prenaient, nous envoyaient en esclavage. Ça fait quoi l'Afrique? Les gens viennent, ils nous pillent, ils vont vendre leurs trucs.
Les gens disent, affaire de Jésus, là, ça fait des blancs. Donc, un Dieu qui fait du bien. Tu m'as chéri. Il faut penser que ça fait des blancs. Et puis ça aide les gens. Mais il faut venir à lui. Vous avez compris? Vous pensez que pour nous, là, ça fait des noirs. Il nous tue. Il ne nous protège pas. Il est bizarre, nous. Il faut le quitter. Comment tu es bête comme ça? Excuse-moi. Comment tu es bête comme ça? Prêche, homme de Dieu, prêche. Comment tu es bête comme ça? Quelque chose dit qu'il vient, c'est pour les blancs. Pourquoi c'est profil, toi? Mais blancs développés. Nous, on est pour les noirs. On a rétin. Entre le rétin et le développement, tu cherches quoi? Ni question de noir. C'est lui le sauveur de l'humanité. Amen. Il est le sauveur des noirs, des chinois, des blancs et de tout le monde. Heureusement qu'il nous a apporté l'évangile. Ce qu'on appelle blanc. C'est à cause d'eux qu'on a connu la mission, les missionnaires. Quand ils sont venus, on a commencé à parler le français. On a commencé à se développer. Les sorciers ont des maisons là-bas. Non, on voit pas. Ils ont un avion. Quoi, avion? On voit pas. Il est où, hein? Comme on avait pas là. Où est ton avion, non? C'est là-bas. Mais les blancs, en France. Vous connaissez pas en France? Bravo, il y a quoi, en France? Il est où? Les blancs, en France. Non, moi, dedans, va en France. On est content. Il est sur les rouilles. Toi, tu es pas là, tu as un avion. Et toi, ceux, tu es nul là-dessus, comme balai. Tu vas en France. C'est quoi qu'on me dit, ça? Tu es misérable ici. On te voit, tu es moche, à peine tu te brosses. Moi, je suis sorcier. Tu es sorcier comment? Arrêtez ta comédie. La sorcellerie ne fait pas avancer les gens. Arrêtez vos comédies. Vous êtes sorcier, prenez le village, amenez le plateau ici. Il faut prendre le plateau, on dit, ah, mais toi, tu es sorcier, mais attends, on peut te respecter un peu. La sorcellerie détruit. La sorcellerie en deuil. Elle empêche de se développer. Donc, c'est pas une bonne chose. C'est ça que les blancs ont combattu la sorcellerie. Ils ont combattu ça. Un sorcier, quand tu es assis avec lui, lui te voit comment tu mènes en sort graine. Voilà, tu as avec voilà, lui pour parler. Lui voit Agouti. Agouti va faire sort graine. Tu voulais déjà la calie à manger. Là, il n'a qu'à finir de parler la nuit, il faut qu'il le mange. Le monsieur, il faut qu'il le mange la nuit. Et puis, t'attaches, il te mange. Donc, quelqu'un qui a la sorcellerie, il a une pensée négative. Dans son comportement, il est jaloux. Dans son comportement, il ne fait pas. Celui qui critique, celui qui met toujours la division, il s'oppose toujours. Un opposant comme Satan, son papa. C'est ça la sorcellerie. Quand on a l'Esprit Saint, c'est l'amour. On a envie d'apporter quelque chose. Même si la personne n'est pas bien, on prie pour la personne. C'est ça que la sorcellerie n'a jamais rien apporté. Amen. Ça n'a jamais rien apporté. Le Reta, Béanzé, il est mort comment? Le Béninois, là. C'est un grand sorcier. Au Bénin. Il est mort comment? Ils ont pris un matin, les blancs. Les mêmes blancs l'ont pris un matin sur la terre. Je crois qu'il est mort en Algérie. Les sorcelleries, ça les envoie où? Le vaudou, là, ça a porté quoi? Ça a porté quoi au Bénin? Ils sont vaudous. Ils n'ont pas pris coup du monde. Dites-moi. Ils n'ont pas pris coup du monde. Arrêtez vos comédies. Arrêtez vos comédies. Vous avez fait qui? Allez prendre coup du monde. Allez prendre coup du monde. Vous envoyez chez vous. Bonheur. Vous avez la plateforme de vaudou, chez vous on dit vaudou est né. Vaudou. Il y a des saisons, il ne faut jamais. Il y a des saisons où il pleut. C'est ça, c'est la saison. Pourquoi empêcher ça? Amen.
Alléluia, c'est la saison. On est en train d'attendre la saison des fruits. N'est-ce pas? On est en train d'attendre la saison des fruits. Mais j'y suis bien là où? Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Mais la seule chose que je vais dire ce matin, il faut accepter Jésus. Si tu l'acceptes, il te donnera la vie. Et la vie éternelle. La vie parce qu'il prendra la peine de te guérir. C'est une promesse. Attaché au salut. C'est pas ces maîtres aussi que nous sommes guéris. Il va te guérir. Mais il va résoudre ton problème. Il y a beaucoup de choses. Ton bien-être. C'est-à-dire que le mariage, c'est important. Parce que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Tu l'acceptes. Il va résoudre beaucoup de tes problèmes. Si vous voulez que Dieu agisse dans ce village. Parce que là, c'est toi. C'est toi qui constitue la population de ce village, ce n'est pas les bâtiments. Chacun d'entre vous, c'est ici. C'est vous. Il faut que chacun comprenne qu'on a besoin de Dieu. Et que l'affaire de Dieu, ça doit intéresser tout le monde. Je ne vous parle pas d'aller dans une église. Non. Mais là où on prie Dieu, allez-vous. Allez, là. Moi, je suis chrétien. Non, je vais te parler d'église. Je suis chrétien. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est vous parler d'aller à l'église. Là où se prêche Jésus, vous allez là-bas. Parce que les gens disent non, on peut prier Dieu partout. Écoutez, frère, Dieu n'est pas partout. Il y a des endroits où on ne peut pas trouver Dieu là-bas. Non, on peut prier Dieu à la maison. C'est pas faux. Mais le temple est fait pour aller rencontrer Dieu. Et non seulement ça, mais où donne l'enseignement. Parce que la Bible, ce n'est pas qui veut. Moi, la première chose, je suis allé étudier. J'ai compris beaucoup de choses. Mais j'ai envoyé une licence en théologie. La Bible, il y a trop de choses dedans. C'est parce que j'ai étudié que j'ai aimé la Bible. Donc, toi, tu peux rester à la maison. Non, moi, j'ai 15 jours, j'ai à la maison. Tu es à la maison pour faire quoi? Non, mais tu es à la maison pour faire quoi? Pour faire quoi? Là où les enfants de Dieu se réunissent, tu dois aller là-bas. Si tu es loin de ces grands rassemblements, c'est que tu es satanique. Non, frère, ça. Aujourd'hui, il te faut Jésus. Amen. Amen. Tu veux pas. Ce monsieur-là, Jésus, roi des rois, là, sans lui, tu n'es rien. Tu le sauras un jour. Tu seras saint un jour. Celui que tu vas peut-être négliger aujourd'hui, un jour tu vas le rencontrer. Et là, il n'y a plus de miséricorde. C'est le jugement. Il sera sur son trône de jugement. Pour l'heure, il nous tend la main. Amen. Alléluia. Amen. Il nous tend la main. Mais un jour viendra. Où il sera sur le trône. Le jugement, il va te regarder. Et toi-même, tu auras déjà la solution. Pour lui dire ouvertement, je sais que je ne suis pas digne de toi. Jette-moi l'enfer. Amen. Donc, c'est la première des conditions. C'est d'abord l'accepter. Est-ce qu'on est prêt à accepter Jésus? Ceux qui sont prêts, lève la main. Qui n'est pas content pour accepter Jésus? Qui est heureux d'accepter Christ comme son sauveur? On peut l'acclamer plus fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grande joie parce que les anges sont dans la joie. La Bible dit qu'un pécheur se répand, les anges sont dans la joie, dans l'allégresse. Vous revenez vers votre Père. C'est le retour vers le Père. Le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons nous tenir debout. Amen. Amen. Et tu vas lever la main. Avant toute chose, il faut que Jésus-Christ soit Seigneur dans notre vie. Avant toute chose. Jésus-Christ, va dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. De t'accepter comme sauveur. La personne. Et on peut venir un peu devant. Venez sortir un peu. Et
Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. 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 Comme sauveur. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. 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 Personnel. En dans mon aile. En dans mon cœur. Et fais de moi. Tu peux importe ce que tu es, pourvu que tu l'acceptes, ce que tu es, pourvu que tu l'acceptes, tu te prends. Allez vous alléluia. Et ça, mon de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ton Seigneur? On ne s'assoit pas dans la maison pour dire ah j'accepte Jésus pour dire ah j'accepte Jésus de chercher. Non, il faut aller. Let's have one. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, maintenant que vous avez accepté Jésus, vous recevez la bénédiction et pas que vous marchez selon la foi enseignée. C'est ça qu'on doit plus savoir. Tu dois aller dans le monde. Tu es béni, amen. Amen. Quand il dit j'honore celui qui m'honore. Qui? C'est à la fin. Mais je pense que vous avez pas créateur. Il faut que vous venez pour jamais rater l'opportunité. Là où il y a des rencontres, Dieu peut te bénir, peut te guérir. Et c'est ce que vous avez fait. Vous savez que c'est à cause d'une seule personne. Tout le monde peut être béni. C'est cela que Abraham a plaidé pour son neveu Lot. Amen. Son neveu Lot. L'autre a reçu le messager de Dieu. Quand vous recevez un messager de Dieu, par le fait que le messager soit réjoui, par lui, le village peut être béni. Il a reçu l'ange des anges. Il a commencé à plaider. Où partez là-bas? Il y a mon neveu là-bas. Le monsieur, c'est qu'un neveu. Le coup, on appelle ça Sodome. C'est-à-dire, on sodomise les gens, c'est des PD. Et c'est là-bas que tu vas vivre. C'est que tu es PD. Bon, mais pas, il y a un bon, c'est que tu es PD. Tu dis que tu as bien les PD. Comment la fait? Nous, on ne peut pas être PD. Amen. Donc, j'ai compris pourquoi il s'est séparé d'Abraham. Abraham, le cas. Parce qu'il aime PDA, il aime ça. Nous, amen. La preuve, c'est que quand les anges sont venus, ils ont dit à Lot, donne-moi. Hein. Lot dit non, mais la fille dit non. Hein. Nous, ce n'est pas fait de femmes. Hein. Nous, c'est fait des garçons qui nous intéressent. Vous ne connaissez pas la Bible, si on sait comme ça. Combien? C'est ça? Lot dit, s'il vous plaît, j'ai des jeunes filles, elles sont belles, excusez, elles sont vierges. Il dit non, on est tous dans PDA pour tous ici. Amen. Donc quelqu'un qui va dans le pays des PD, comment elle appelle? Il dit PDG. Amen. Si quelqu'un va dans le village de voleurs, qu'il allège les voleurs, il est quoi? C'est ça qu'il n'y a même pas un seul. Quand les anges ont dit là, il dit même un seul, il n'y a pas. Peut-être ton neveu même les PD. Mais à cause d'Abraham, l'autre a été sauvé. Dis amen. Abraham. À cause d'une seule personne, un village peut être sauvé. Dis amen. On n'a pas besoin d'être nombreux. On n'a pas besoin, c'est une question de volonté. Vouloir que Dieu nous guérisse. Quand vous allez prendre une décision de taille, alors la destinée de votre vie, de votre village, il y a beaucoup qui ne vont pas se réaliser. Parce qu'il y a beaucoup aimeraient que vous soyez en retard. Et que ça, ils ne vont jamais accepter un endroit où on prie. Et qu'il y a un homme, et qu'il faut un cabinet ici. Parce qu'on est ensemble.
mais on ne sait pas où chacun va la nuit. Et nous en passé, chaque tu viens dans le lit, mais tu ne sais pas où elle va la nuit. Peut-être voyage, la nuit elle a boisson. Elle est pas là, peut-être, je sais pas. C'est dangereux quand une femme est pas. Ah, oui, on est pas là, quoi. L'homme, c'est gras. La femme, c'est dangereux, mais l'homme, c'est gras. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, la destinée, c'est pas tout le monde. D'accord. Une décision de village. Tout le monde ne serait pas d'accord avec vous. Quand vous voyez une opposition ne veut pas dire que c'est mauvais. Alors, ça veut dire ce que tu fais, bon. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Si, si, si. Très bien. Quelque chose qui est bon, là, on attaque ça. Voilà. Dis amen. Amen. Donc, si on t'attaque, il faut dire que tu es bon. Alors, les gens, tu n'es pas attaqué, faut te mettre en doute, faut te poser beaucoup de questions. Alors, fais-le pour mettre en doute que les femmes ne sont pas venues. Ce qui est bon est attaqué. Boutana, il y a ces deux, mais qui est franchi. Amen. Amen. Non, moi-même, attaque, c'est parce que tu es bien. Non, moi, qui t'a même. Non, putain, il y a ces deux. On n'attaque pas n'importe qui. Allez, écris quoi, pour dire que tu es bon. Amen. Vous connaissez le chemin de la destinée? Eh, mon, j'ai pas de chance. Emprunter. Il y a trop d'obstacles. Pour atteindre le sommet, il y a trop d'obstacles. C'est des difficultés. On a vu Joseph pris du puits, on a jeté du puits. Du puits, il allait chez Potiphar, on l'a vendu. On l'a, dans prison, c'est de la prison qu'il allait à la primature. Là, Joseph, que ne fasse pas. Oh, tu l'avais promis. Ah, comment on a besoin que Joseph. Mais il avait besoin que tu. Ne pensez pas que les choses bizarres, Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un qui a cherché à plaire à Dieu, je retourne en prison. Bien, toi qui comprends, tu vas dire, ah, mais Dieu, mais il est beau, il est méchant. Mais, bon, Dieu est méchant. Mais Dieu, mais il devient sorcier, il est méchant. Et le bon, non, pas non, on va rester, on va rester où? Toi-même, tu vois, tu as vu, la femme m'a provoqué. J'ai dit, non, elle devient pour mal dans son dos. Comment une femme peut demander à un monsieur comme moi, je, qui est viril, de même pour mal? J'ai fui. Mais là dans la prison, faisait partie de la destinée. Au fond, ne pensez pas que la destinée là, c'est quelque chose qui est bien. Non, il y a la souffrance, il y a des obstacles. Mais celui qui connaît Dieu, il a le discernement. Il a pesé. Et puis, il regarde à demain. C'est cela que vous êtes bénis. Dieu amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes pour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur élève davantage ce village. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, une malédiction qui règne sur un village, ou bien un mauvais sort qui règne sur un village, il faut faire une rencontre pour annuler ça. La fait bouteille noire, yes, mais je ne crois pas de non. La fait bouteille, allez, mec, je m'arrête. Chacun d'entre nous a une année, c'est quelque chose que le village n'avance pas. J'ai écouté le chef parler. La fait. On n'avance pas. Et nous, quoi, moi, quoi, oh non, non. Pour que le sorcier agisse dans un village, pour que les sorciers agissent, c'est qu'il y a quelque chose qui leur donne raison de c'est que, oh, nous, là, bon. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Là, au fond, là, donc, ça permet au diable de travailler. Là où il n'y a pas Dieu, là, le diable travaille pleinement. Et il y en a au fond. Amen. Le diable travaille pleinement. Au fond, absolument. Alléluia. Amen. Encore. Amen. Le fait même d'adorer les idoles, d'adorer les choses, c'est alors, dangereux. Le souffert, ça éloigne Dieu d'une population. Et là, au fond, quand il me dit. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Là, au fond, là, il y a une chose. Tout à l'heure, le village est revenu à Dieu. Le village, le notaire, ce n'est pas tous les chefs qui acceptent la prière. Alors, ce n'est pas tous les notaires qui acceptent la prière. Alors, on croit Allah, il croit que c'est au professeur. Tu n'es pas obligé. Hein. Mais le fait qu'il ait accepté. Qu'un homme de Dieu vient prier pour le village. Mais c'est pour moi, il est un bon esprit. C'est que le corps, ce n'est pas à moi de juger son comportement. Allez, maman. Son comportement. Nous avons vu un comportement, et puis on vient vers Dieu. Mais le fait de dire, je suis d'accord pour qu'on prie pour le village, c'est un bon esprit.
Il y a des endroits où on est passé, les chefs disent non. Ah, en gros, c'est. Et dans la position. Au fond, ma chère, le chef, rien ne peut qu'à dessous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse pour ça. Nous allons prier. Et bas, c'est faux. Pour que la main de Dieu continue d'agir dans ce village. On va essayer d'annuler les malédictions. Parce que la malédiction, elle s'annule. La malédiction n'est pas un démon. On ne chasse pas les démons de malédiction. Dans la malédiction, il y a la diction. La malédiction. Une parole mal dite, la diction c'est la parole. Un mauvais sort. Un sort. Parce qu'on a, posé des choses, on a fait des choses. Dans le mauvais sort, rien que sur le village. Elle est de toute façon qu'il n'y a pas de développement. Il faut une action. Devant Dieu et les hommes, ils viennent briser ça. Amen. C'est comme le baptême. On n'a pas forcément de passer par les eaux de baptême pour être sauvé. Mais nous prenons l'engagement, nous démontrons ça par les eaux de baptême. Deux personnes s'aiment, on n'a pas besoin d'aller devant la mairie. Nous pour sceller le mariage. Il y a des choses. Tant qu'on ne pose pas une action, c'est difficile que le village avance. Amen. 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 La manière de travail d'un prophète est différente d'un pasteur. Hello, prophète Badjouan. Le prophète est dans les actions prophétiques. Lui, sa parole suffit pour régler beaucoup de choses. Mais oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de faire 1000 jours ici. Sa seule parole suffit. Nous sommes dans le pays, d'Ida. Et nous, Dida, dans un village où il y avait 10 morts, 9 morts par semaine. Quand nous sommes rentrés là-bas dans le village, j'ai levé une onction. Et à partir d'aujourd'hui, la mort s'arrête. Et c'est arrêté. Alléluia. Amen. Je t'ai arrêté. Je sais comment la sorcellerie est pratiquée ici. J'ai toutes les informations. C'est mon travail d'avoir les informations. Je vois des têtes ici qui sont sorcières. Il n'y a pas là ici. Heureusement qu'il ne m'attaque pas. Non, comme rien. Il est attrapé. Comme rien. Que j'ai compris le message. On doit chier. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà, tu peux croire et vous. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Tu peux croire et vous. Alléluia. Amen. Il y a un temps où on prend le temps de pratiquer le mal. Tu peux nous faire un peu. Et puis il y a un temps où on prend le temps de faire du sérieux avec Dieu. Tu peux nous faire boire, faire boire. La sorcellerie. Balane. Quand ça va être quelque part, ça ne fait pas avancer le village. Pas du tout. Nous sommes venus au nom de l'Éternel. Comme je vous disais, Dieu ne descendra pas. Il parle par les hommes. Il passe par les humains pour parler aux hommes. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont se régler. Tu crois, dis Amen. Dis Amen. Si tu crois, dis Amen. 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 Amen. Beaucoup de choses vont se régler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses se régleront aujourd'hui. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, tu crois, il suffit seulement d'orienter les choses. L'affaire, non. Et nous savons bien le faire. Et moi là. Depuis un moment, nous avons prié. J'ai prié pour le village. Il y a beaucoup pour le village. Et j'ai eu l'information de Dieu de beaucoup de choses concernant le village. Un homme de Dieu, il vient poser une action. Amen. Amen. C'est ce qu'on va faire. Alléluia. Amen. Et Dieu bénira le village. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
calvaire qui est là-bas. Calvaire, vous voulez? Vous connaissez la situation de calvaire? Eh, mais calvaire, là, non. Vous avez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous avez dit? Pourquoi vous êtes comme ça? Dis à quelqu'un pour être comme ça. Pour vous, est-ce que vous avez dit? Pour nous, pour est-ce que vous avez dit? Dieu, il s'en parle. C'est la surveillance qu'on a donnée. Hein? C'est pour calvaire, le village. Calvaire. Viens! Calvaire, ça va être... Vous faites quoi? Pour surveiller le village. Contre quoi? Contre la sorcellerie. Bon, voilà. Contre le mauvais esprit. C'est tout? Voilà. J'explique. Vous savez? Aignement. Quand vous avez quelque chose, vous demandez. Les blancs, vous voyez là. Comme ils ont combattu la sorcellerie chez eux. Non, tellement qu'on voit pas la ronde. Donc ils venaient en mission en Afrique. Non, c'est qu'ils ont combattu chez eux là. Ils allaient trouver ça en Afrique. Ils sont allés au Vatican. Prendre le calvaire pour venir attaquer la sorcellerie. C'est comme ça. Donc vous voyez que. Le village pense que elle doit être sécurisée. On acclame le Seigneur. Mais ça là, ça peut sécuriser un village. Ah, c'est un bassin, c'est ça au choix. Oh, mais venez, bassin, c'est au choix. L'amour. Ils ne savent pas que ça peut sécuriser. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Est-ce que ça a besoin d'un village? Ils ne savent pas. Nous, on ne sait pas. C'est là. Ceci n'est pas ici. Nous, là, non, oui. Donc, répondez-moi. Parce que quand vous faites quelque chose, alors, vous disiez les choses. Et où est-ce? Je suis venu là. Ma? Après mon départ. Ma yin. Un mois, deux mois. Trop, ma yin, ben, faites un bilan. Et là, parce que j'ai vu des choses qui vont se réaliser. C'est ça un prophète. C'est ça. Quand quelque chose est là, vous posez la question. C'est là. On est pour nous surveiller. C'est là. Pourquoi pas là? Peut-être que pas là, allez s'attendre à ça. C'est pour ça que le calvaire n'a plus son sens. Dis amen. Je vous dis une chose, pourquoi il parle de ça? Après le calvaire, là pour vous trouver là, cette nuit, toute la sorcellerie du village, ils sont allés mettre ça dedans. Et les gens avaient piégé là pour me tuer. C'est pour ça que le Seigneur a tout bloqué. Pour que je sois là. La croisade a été très combattue par les féticheurs, par les mystiques, par la sorcellerie. Parce qu'ils savent qui venait dans ce village. Moi, j'ai vu le combat, la dimension du combat. Quand j'ai vu, on dit qu'il n'y a pas courant. J'ai dit, j'ai un message. Je ne peux pas venir prêcher Jésus qui est lumière dans les ténèbres. C'est qu'il y a un message que Dieu veut m'apporter. Dieu est lumière. Je viens le prêcher. Et puis il y a des ténèbres. Il y a un message que Dieu veut m'apporter. Alléluia. Un message de Dieu. Dans ça. Et Dieu me montre. Alléluia. Amen. Il dit, on t'attendait pour t'humilier. On dit, le lui qui vous avait envoyé là, on a fini elle. On a fini elle. Mais c'est moi qui ai fini elle, vous. Quand tu mouais quelqu'un, tu lui dis que tu mouais. Tu te caches pas ça. Alors, pas croire. Fais ce que tu fais. Si un enfant vient devant toi, il te frappe. Tu n'as pas dit, on ne fait pas là. Non, allez, gars, mais un enfant de 4 ans devant toi, un homme de 30 ans.
Tu as parlé de palabres, tu as été frappé. Je vais vous mater, ça je dis. Au nom de Jésus. La sorcellerie va mater ça dans le village. Les gens m'attendaient au carrefour la métier. J'ai appelé, on dit, ah non, le courant est coupé. J'ai dit, mais je ne vais pas prêcher Jésus qui est la lumière dans les ténèbres. Pourquoi je viens prêcher la lumière et il n'y a pas la lumière? Dieu dit, reste tranquille, c'est un message. Donc, calmez-vous. Ils ont manigancé des choses. Pour que là, il a plu tout ça. C'est une manifestation de la puissance de Dieu pour neutraliser leur pouvoir. C'est un conflit, un combat entre le ciel et le royaume des mystiques. Il y a eu la victoire, je suis rentré. On va battre l'arbre avant que je quitte. Va chercher un sieur. Plio, plio, plio. Un maréchal, suivez-moi. Suivez-moi seulement. Élevé. Élevé. Plio, plio, plio. Donc ça. Plio, plio, plio. Plio, plio, plio. Prenez le règne de ce village. Amen. Et la porte d'entrée, toute porte importante, là qu'on appelle la porte. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume, porte, ouvre-toi et lève-t-elle un tour, car le Seigneur arrive. La porte d'entrée, elle est importante. Tout part d'ici, tout peut se bloquer là. De toute façon, il y a la porte physique, il y a aussi la porte spirituelle.
Donc spirituellement, si la porte est bloquée, est minée, rien ne pourra rentrer comme projet. Amen. 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 Le projet ne pourra rentrer. Vous sortez, mais vous venez avec rien. Vous avez les bonnes choses, mais là, ça se stoppe. Mais il y a une grande manifestation du pouvoir de la sorcellerie dans ce village. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir de la sorcellerie, n'est-ce pas? Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Faut dire, c'est Dieu qui a créé les yeux. Dis à quelqu'un. Dieu qui a créé les yeux. Mais pas, faut dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a créé les yeux. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui a créé les yeux. Alléluia. Amen. Ils sont allés cacher, on a vu. Amen. Je suis quelqu'un, je prêche l'évangile, mais j'attaque la sorcellerie. Vos petites sorcelleries, vous ne pouvez rien d'évangile. Celui qui dit la sorcière, n'a qu'à lever la main. Vous dites à la prophète, il dit sorcier, viens te faire saigner du nez. Tu suis ton Il s'agit de combat spirituel. C'est pas fait d'évangile maintenant. On a déjà prêché l'évangile. L'évangile, on a prêché l'évangile. C'est entre le diable et Jésus. Qui est fort? On sait, Jésus est fort. Jésus est fort. Le plus fort. Vous êtes les plus orgueilleux. Ah non, il est venu, il a fait quoi? On a vu? Vous pensez qu'on n'allait pas voir? Le Seigneur m'a montré. Les pièges, vous avez tendu, on a vu. Celui qui dit les sorciers dans la foule, qui est fort, qui lève le doigt? C'est maintenant, on voit garçon. Vous, la nuit, vous vous levez pour aller manger les gens. Orteil, agouti, la nuit, sorcellerie. Celui qui dit est sorcier dans ce village, il n'a qu'à venir ici pour dire, je suis sorcier. Je vous donne 20 minutes. Parce que si on commence, c'est vous qui allez mourir. Ce qu'on a commencé, la mort ira dans votre camp. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ou bien, amen. Amen. La Bible dit que l'âme qui pêche, celle qui mourra. Amen. L'âme qui pêche, celle qui mourra. On va couper ça avant qu'il quitte notre village. Amen. Amen. On va couper avant qu'il parte. Amen. C'est une question de dire non, non, non. On va écorcher ça, on va couper. Amen. Ça doit tomber, on va crier, qu'on s'en va. Amen. Nous, on vient de terminer notre travail. Mais la sorcellerie, vous êtes mal barré. Les sorciers dans votre camp. Maintenant, la peur sera dans votre camp. Amen. La mort sera dans votre camp. Amen. La malédiction sera dans votre camp. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu veux, tu veux pas, tu ne veux pas. Sorcier. Tu es fâché. Tu n'es pas fâché. Tu ne voyais pas Jésus. Amen. Donc, il ne faut pas prendre gros qu'il soit mourir. Amen. Tu parles de quelqu'un qui te moins. Tu veux prendre un broquet, il va te frapper. Amen. Jésus va te frapper, son coup de pointe va saigner. Amen. Celui qui ne croit pas, il vient devant moi pour dire je suis sorcier. Je vais te montrer qu'on appelle Jésus, il faut le respecter. Pas ton camarade. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il est monté à la croix, il est mort ressuscité. Il vous a arraché le pouvoir. Jésus a le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous connaissez le sorcier, vous n'avez pas le pouvoir. Vous mangez hors tête des gens, vous n'avez pas le pouvoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous mettons le feu dans la tête de notre côté. Nous mettons le feu dans votre côté. Après, on prie, je vais tout le monde prier. Ouvre la bouche, va prier. Je vais te manger.
Nous disons s'arrête, que le pouvoir de la sorcellerie soit de toi, à partir de toi, pendant que tu pries dans la maison, pendant que tu pries chez toi à la maison. Il faut prier pour toi, il faut prier pour toi, il faut prier pour toi. Nous prions que la puissance humaine, dans le nom de Jésus, vers la sous des eaux. Il jeta fut assaini jusqu'à ce jour, selon la parole. Sur le contrôle de la malédiction. Tu refuses la malédiction. Tu refuses ça. En français, tu es ma médecine éternelle, nous on est ma médecine éternelle, nous on est. À part d'aujourd'hui, on travaille, on travaille, on avance, on va à l'école. Il est là bon, il faut rien, on va s'arrêter. C'est un terrain fait, quoi pour dire, et l'éternel, quoi pour dire. Comment faire pour avoir un bon dieu. Amen. En ce jour, le sol, la Bible dit dans tout ce qui a été fait sur ce sol. Et la Bible déclare que quand, si tu m'obéis, des ennemis, les ennemis de l'Éternel. Amen. Si cinq mois, le chic cinq. Amen. Oh, désormais, à part Dieu, châtie, la... que Dieu les châte de Jésus. Amen. On a une machette. Qui voulait vous tuer, qui prend vos places. Amen. Parce que la Bible déclare la mort, ceux qui sont pour la mort. Amen. Ceux qui ont manigancé la mort, ceux qui ont projeté, je vous libère de la stérilité. Amen. Je vous libère de la misère. Amen. À compter de Jésus-Christ, à partir de Jésus-Christ, et soit la puissance de Dieu, Recevez la puissance de Dieu, je prie. Recevez la main de Dieu dans votre vie ce soir. Recevez la puissance de Dieu. Le jour de ta délivrance. La puissance de Dieu. Allez. La puissance. Allez, feu. Allez, feu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez ce matin la puissance de Dieu sur votre vie. Recevez la puissance de Dieu. Recevez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aidez la soeur. La puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu.
Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Je te délivre de l'esprit de mort. Je te délivre de l'esprit de mort. Maintenant, Jésus te libère. Jésus-Christ te délivre. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. La puissance de Dieu. Allez. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. C'est la fille à qui? Vous la connaissez? Son mari. La puissance. La puissance. La puissance. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Je vois tout le monde, mettez-vous dans vos trucs. Je vais prier pour les gens. Jésus. Lâche-la. 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 Lâche-la! Lâche-la! Tu la libères maintenant même par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et tu la libères. Tu la libères. Allez! La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, la puissance de Jésus, de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, que sa puissance te libère. Sa puissance, sa puissance te libère. 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 Lâche-la, lâche-la, la puissance te libère. L'esprit de la source, Seigneur, tu fais grâce. Merci, l'Éternel. Le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie. Merci. Tu libères son âme. Le pouvoir de la sorcellerie. Tu libères son âme par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Maintenant. Jésus règne. Je déclare libéré par la puissance qui est dans le sang. Je déclare libéré par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je déclare libéré par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ceci. Ça a commencé? Il essaie. Oui, la table essaie. Profitez, chassez le diable. Ne peux pas vivre avec lui. Amen. Amen. C'est comme vous vivez un criminel.
on ne va pas vivre le diable. Dire quelqu'un ne vivra pas le diable. Elle est venue à Dieu. Il dit, mais Dieu, là, tu vas aller où? Puis tu es venu à Dieu. Tu fais quoi? Je peux t'aider, Tu pries où? Où? Je te dis quelque chose de bizarre. Okay. Tu as la sorcellerie. En tant que prophète, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Le problème que j'ai vu, c'est toi qui as la base de ce problème. Donc, si tu veux que ça se règle, tu me donneras l'occasion de régler ça. Tu as compris? Si tu veux que ça se règle, s'il te plaît, tu es venu pour quelque chose, moi j'ai parlé en tant que prophète. Maintenant, si tu veux qu'on prie pour elle, je donne la permission de prier pour elle. S'il te plaît, tu veux qu'on prie pour elle ou pas? Si. Va la chercher. En ce jour, le sol et la Bible déclare que quand si tu m'obéis, des ennemis, les ennemis de l'Éternel. Amen. Oh, désormais, Dieu châtie, que Dieu les châtie de Jésus. Amen.
qu'on peut acclamer le Seigneur. J'ai vu l'arbre s'ouvrir. Quand l'arbre s'ouvrait, il y avait une fumée. J'ai dit, quand la porte de l'arbre s'ouvrait, il y avait une fumée. Quand je suis entrée, je me suis arrivée, j'ai vu une termitière à l'intérieur de l'arbre. Et dans cette termitière, il y avait des gens qui étaient enfermés. Et c'est comme ça que la porte s'est refermée. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, je pleurais, je me suis dit. Aujourd'hui, la famille peut le prendre à ce soir-là. Et dans ce table-là, on a battu avec une termitière à l'intérieur. Dieu est merveilleux. Mais il nous a délivrés. Le fait que les gens acceptent,
que ce soit deux ou trois personnes. On a eu plusieurs personnes accepter Jésus-Christ. La chefferie et sa comptabilité accepter Jésus-Christ. Donc c'était tout à fait normal que le Seigneur se mette à libérer le village. Quand vous n'acceptez pas le Seigneur ne s'occupe pas de vos difficultés. Donc moi, c'est ça un peu, c'est une grande victoire de dépeupler le royaume de Satan et, n'est-ce pas, de mettre les yeux du diable à nu et libérer les captifs. Donc je pense qu'après cette action prophétique, d'abord révélée parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, la gloire de Dieu se manifestera dans ce village. Dans l'acte qui a été abattu tout à l'heure, nous avons retrouvé, nous avons fait des découvertes, ouais. Assez étranges, une explication. Non, je savais déjà parce que déjà depuis cette nuit, Dieu m'avait déjà montré que c'est un endroit où, parce que la sorcellerie, a toujours un endroit, les hôtels sataniques, donc ils ont déjà mis quelque chose dans certains chemins. Ils ont mis des choses dans leur arsenal de sorcellerie. Je l'ai même donné comme révélation que tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie sont venus, n'est-ce pas, mettre ça dans l'arbre. Maintenant, en même temps, il fallait détruire. Voilà ce qui leur sert, n'est-ce pas, de maison mystique. Il fallait détruire. C'est ça. L'œuvre du prophète, c'est un voyant. Voilà. Et nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas la première fois, nous faisons ça partout. D'autres, c'est dans les termitières, d'autres, c'est dans les tombes, d'autres, c'est dans les maisons où il y a des cardinaux mystiques, d'autres, n'est-ce pas, c'est dans les poteaux, c'est dans beaucoup. Nous ne sommes pas la première fois de voir, c'est notre première fois. Nos ministères, c'est aller affronter, d'abord aller dans les villages, parce que c'est très, très important d'aller évangéliser dans les villages, permettre aux villageois, nos parents, qui n'ont pas facilement accès au Seigneur, aient accès au Seigneur. Parce que nous qui évangélisons en Europe, nous qui évangélisons en New York, nous pouvons aussi voyager dans un village. Il faut évangéliser parce que Jésus-Christ, c'est affaire de tout le monde. Ça fait de celui qui est au village, ça fait de la ville et ça fait de celui qui est au village. Nous sommes là pour aider une population qui souffre en détresse, pour les ramener à Jésus-Christ et en même temps permettre à Dieu de faire entrer de l'or. Et qu'on dit, ça met en détruit les œuvres du diable. Shalom. On a très bientôt pour les témoignages. S'il vous plaît. Nous avons trouvé une machette avec un miroir. Dans vous comprenez déjà le miroir mystique, ça veut dire, ça appartient à une caméra, la machette, c'est ce qu'on prend pour égorger les gens. Vous avez déjà tout compris. Merci beaucoup.